Après les hologrammes en 2017, Jean-Luc Mélenchon franchit une nouvelle étape dans l'art de révolutionner les meetings politiques. Ce dimanche 16 janvier, le candidat de la France Insoumise a organisé un meeting immersif et olfactif à Nantes. Devant 3000 personnes, il s'est appuyé sur un dispositif innovant, écran de 50 mètres sur tous les murs et le plafond pour diffuser des images de la Terre à 360 degrés, diffusion d'odeurs. Une mise en scène au service de ses propos. Le candidat à la présidentielle a ainsi envoyé ses sympathisants dans l'espace, au milieu des étoiles, pour aborder le sujet de l'exploration spatiale. Avant de les emmener dans les câbles Internet, pour lui permettre de défendre l'anonymat des données personnelles. Si est-il la société Videlio, et le scénographe David Mathias qui ont travaillé sur le meeting, présenté par Jean-Luc Mélenchon comme un événement politique positif. Pour les odeurs, même si les intentions étaient nobles, elles ont eu plus de mal à convaincre les téléspectateurs. La photo masque FFP2 distribuée à l'entrée du meeting, qui ont rendu le recours à l'odorat plus compliqué. Un événement 100 000 euros plus cher qu'un meeting traditionnel, mais cet événement immersif a tout de même un coût, 300 000 euros, comme l'a rapporté Manuel Bompard, le directeur de campagne du candidat insoumis sur BFM TV. Cela représente 100 000 euros de plus qu'un meeting traditionnel selon ses proches. Jean-Luc Mélenchon a également prévu de revenir avec son hologramme lors d'un nouveau meeting dans 6 grandes villes françaises en simultané le 5 avril prochain. Loading widget.